Les choses ont de la valeur pas parce que c'est facile, les choses ont de la valeur parce que c'est dur de les avoir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Même petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action. Depuis 2016, j'ai commencé mon premier business en ligne. Donc j'ai envie de te dire, tout est possible les gars. À un moment donné, pour un gars comme moi qui avait redoublé son BEP avec trop technique, qui avait 6 en anglais maximum, je vais vous dire les gars, tout est possible. Aujourd'hui je voyage comme tu le sais, d'ailleurs suis-moi sur Instagram si jamais tu veux voir un petit peu, je vais bientôt bouger là. Et donc du coup il y a deux choses que je te propose. T'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Ok, donc avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'œil quand même. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Et la deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, comme tu le sais. Ma formation Pirate Marketing, je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus, il y a des bonus complémentaires que j'ai ajoutés sur l'e-commerce, investir en immobilier, sur investir dans la crypto, sur quoi encore? Personal branding. Ok, bref, et en plus tu auras accès en plus de ça à l'incubateur, ça veut dire qu'il y aura, c'est des coachings de groupe sur les différentes thématiques marketing, etc. Enfin, bref, en tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer ton business. Par contre, il va falloir charbonner les gars, ça on peut pas le faire à votre place, je peux pas. Et même si je pouvais le faire, je le ferais pas. J'ai envie de te dire, je préfère le faire pour moi. Donc du coup, voilà, donc tout ça, et en plus tu peux utiliser ton CPF pour ça. Donc si jamais tu as des questions par rapport à ça ou tu veux utiliser ton CPF pour ça, peut-être tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Puis tu pourras poser toutes tes questions, on va t'accompagner à monter ton dossier et on donnera les accès après à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner les gars. Ce sera plus long que prévu, ce sera plus dur que prévu, tout ce que tu veux, mais ça en vaut la peine. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. 4 choses qui rendent misérable la vie des hommes, c'est le sujet de la vidéo. Donc si jamais tu as besoin de dopamine toutes les 5 minutes, pour pouvoir, toutes les 5 minutes, toutes les 2 secondes pour pouvoir t'ambiancer parce que tu n'arrives pas genre à rester focus, cette vidéo sera probablement pas faite pour toi. Okay, c'est pour les personnes qui sont déter, qui ont un objectif, qui veulent tout péter dans la life. Okay, donc déjà, première chose qui rend la vie misérable aux hommes, c'est avoir un taux de testostérone super bas. Okay, le fait d'avoir un taux de testostérone bas va te créer plein de problèmes en tant qu'homme. C'est-à-dire, si t'es une femme, ça te pose pas de soucis. Là, on est bon. Mais si jamais tu es un homme, non, là, ça ne le fait pas. Parce que tu vas prendre du gras, tu ne seras pas ambitieux, tu ne seras pas motivé, tu seras fainéant, tu seras tout le temps triste, tu seras moins tolérant au risque. Alors du coup, tu oseras moins aller parler avec les gens, que ce soit homme, que ce soit femme, que tu oseras moins te lancer dans un business. Donc en gros, il va te manquer tout ce qu'il faut pour être un homme. Et donc du coup, comment tu changes ça? Tout simplement, les gars, il n'y a pas de secret, c'est toujours la même chose. C'est faut prendre soin de toi. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu fasses du muscle, il faut que tu manges bien, il faut que tu évites de manger les produits transformés, il faut que tu manges équilibré, il faut que tu manges des fruits, légumes, de l'eau. C'est toujours la même chose. Tu sais, j'ai lu plusieurs livres. J'ai lu un livre sur le cancer. J'ai lu un livre sur comment avoir de l'énergie. J'ai lu un livre sur comment prendre du muscle et être sec en même temps. J'ai lu des livres sur l'énergie, comment avoir de l'énergie, être en forme. Enfin, j'ai lu tous les livres, frère. Au final, c'est toujours la même chose. Donc, je te fais un raccourci, comme ça, t'es bien. La solution, les gars, à chaque fois, c'est manger des fruits et légumes, manger donc équilibré, éviter tout ce qui est produits transformés. Voilà, après, peut-être par rapport au cancer, tout ça, peut-être éviter tout ce qui est gros poissons. Parce que comme il y a beaucoup de métaux lourds, du coup, il faut éviter, vaut mieux prendre les petits poissons. Voilà, donc il y a des petits détails comme ça. Mais d'une manière générale, gars, voilà, pour ne pas prendre de poids, pour pouvoir avoir de l'énergie, pour pouvoir avoir un taux de testostérone plus élevé, pour pouvoir éviter le cancer, en tout cas réduire le maximum de facteurs de risque pour ne pas attraper le cancer. Tous les trucs, c'est la même chose. Pour la testostérone, c'est pareil. Plus tu vas construire du muscle, manger bien, plus tu vas stimuler la production de testostérone. Parce que si jamais tu gardes un taux de testostérone bas, comme je te disais, ambitieux en tant qu'homme, il faut que tu sois ambitieux, tu peux pas. En fait, un homme est fait pour accomplir des choses. Regarde autour de toi. On est des conquérants, on est fait pour accomplir des choses. Tu ne peux pas être là sur Netflix, boire une bière avec des chips. Ça c'est pas un homme, ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes ne sont pas attirées par ce genre d'homme. Elles sont attirées par des hommes qui ont un leadership, qui ont une vision, parce qu'elles savent que voilà, avec ce genre de gars, moi je serai en sécurité. La femme recherche la sécurité chez l'homme et l'homme recherche la fertilité.
tu peux dire, ouais, mais n'importe quoi, on n'est pas que ça. Non, si jamais tu regardes sur, en termes biologiquement, tout est fait en fait, si tu regardes bien, tout est fait par rapport qu'on puisse se reproduire en fait, qu'on est sur Terre pour se reproduire. Tu vois, enfin, les hommes sont attirés, pourquoi les hommes sont tous attirés par les femmes qui sont jeunes, quel que soit l'âge qu'ils ont, hein, parce que l'étude a été faite de je ne sais plus de quel âge à quel âge, mais ça va jusqu'à 60 ans au moins, les hommes sont tous toujours plus attirés par les femmes qui sont le pic, et on a dit, c'est pour ça que le pic, on dit qu'il est à 23 ans. Ils sont toujours attirés par les femmes qui ont 23 ans. Ben pourquoi? Ben, je te le donne dans le mille, Gérard. La fertilité des femmes, elle est entre 20 et 28 ans. Et le fait d'avoir une certaine taille de hanche, etc., par rapport à ton ventre, etc., et ben, c'est des signes de fertilité aussi. Tu vois, donc comme par hasard, les gars sont attirés par ça. Tu vois, donc tout est biologique. Et là, c'est pour ça que la femme aussi, elle est attirée par un gars qui a de l'ambition, qui a de l'argent, etc. Parce qu'elle cherche la sécurité pour que la famille soit en sécurité, que ses enfants puissent être en sécurité. Donc, c'est toujours, si tu regardes bien, tout est basé autour de ça. C'est pour ça que quand, par exemple, les femmes là, de body positif qui disent « Ouais, non, mais c'est une construction sociale, vous voulez mettre des critères de beauté. » Non, en vérité, si tu vas plus profondément, tout est basé tout simplement sur la reproduction. Enfin, voilà, si jamais tu es en mauvaise santé, non, ce n'est pas des signes de fertilité. Si jamais tu es obèse, par exemple. Et pareil pour l'homme. C'est pour ça que la femme, elle n'est pas attirée par des hommes qui sont obèses. Parce que ça veut dire qu'ils ont un taux de testostérone bas, ça veut dire qu'ils n'ont pas de discipline, ça veut dire plein de choses en fait. Bref, ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, en tant qu'homme, tu dois être ambitieux, tu dois accomplir des choses. Tu dois avoir un body fat faible, j'en ai parlé, je viens juste de parler un petit peu rapidement. Si jamais tu es en surpoids, de toute façon c'est simple. Si jamais tu es obèse, tu as beau avoir du game, ça veut dire connaître la nature féminine. Ok, je te renvoie à Zeus, j'ai fait un résumé complet dans Zeus par rapport à la nature féminine. Même si tu connais la nature féminine, que tu fais de l'oseille, que tu as du statut, si jamais tu es obèse, tu vas galérer avec les femmes, sur le long terme, je parle. Tu vas galérer. Et je dirais même plus, même sexuellement, tu vas galérer. Parce que tu auras un taux de testostérone bas. Et donc du coup, aussi si jamais tu as un taux de testostérone plus élevé, bah, tu seras dans la capacité de déjà avoir envie de conquérir, donc lancer ton business, conquérir le monde, tu vois, parler aux gens, que ce soit homme ou femme, tu vois. Deuxième chose, c'est de ne pas avoir d'argent. Alors pourquoi ça pose un problème de ne pas avoir d'argent? Bah, tout simplement parce qu'en fait, t'as pas d'option. T'as pas d'option avec les femmes, évidemment. Alors à part les bad boys, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, mais les bad boys, etc. Oui, et c'est sûr que si jamais t'es frais, t'es beau, tout ça, oui, tu vas réussir à avoir 2-3 meufs. Ok, ouais, c'est sûr. Ça pose pas de soucis, mais sur le long terme, déjà, tu vas galérer. Et deuxièmement, ça marche super bien quand on est dans la jeunesse. Okay? Quand les filles, elles sont jeunes, début de vingtaine, etc. Ouais, elles sont encore dans le truc, le bad boy, même s'il n'a pas d'argent, je suis attiré, etc. Mais plus la femme, elle prend de l'âge, plus biologiquement, inconsciemment, consciemment, elle ressent le fait que il faut que je mette la priorité avec quelqu'un qui a de l'ambition, qui va faire de l'oseille parce qu'elle va chercher la sécurité. Donc petit à petit, oui, elle va chercher au début peut-être, elle va être attirée par les hommes, entre guillemets, les bad boys, parce qu'ils transportent la testostérone aussi, tout simplement. Mais au fur et à mesure du temps, plus elle va prendre de l'âge, plus elle va mettre la priorité sur des gars qui vont faire de l'oseille parce qu'elle va trouver la sécurité et qu'elle saura que ses enfants seront en sécurité avec lui. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas un gars qui est beau. Si elle peut tout avoir, elle va tout prendre. C'est juste que plus elle va prendre de l'âge, plus elle va plutôt mettre la priorité sur quelqu'un qui va pouvoir assurer derrière dans le futur. Et donc, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Biologiquement, tout est fait. Tu auras beau, les constructions sociales, les mouvements féministes auront beau dire des choses, tout ce qu'elles veulent, tout reviendra de façon dans l'ordre. Tu ne peux pas modifier la biologie. C'est pas des croyances, c'est pas on décide, on est énergie, donc on décide aujourd'hui. C'est pas des constructions sociales. Tout est basé sur la biologie en vérité. Mais du coup, pour revenir au fait de ne pas avoir d'argent, donc du coup, tu n'as pas d'option et, avec les femmes, mais surtout, tu n'as pas d'option dans la vie. Tu ne peux pas manger ce que tu veux, tu ne peux pas partir en vacances où tu veux, tu es toujours stressé à la fin du mois. C'est pas une vie, tu vois. C'est pas une vie. Alors, je ne te dis pas genre que tu as besoin d'avoir d'être multimillionnaire ou milliardaire pour pouvoir être bien, mais il faut au moins que tu puisses, en tout cas toi, avoir le choix. Ça veut dire que au lieu d'être là chez Aldi et prendre que les trucs déjà chez Aldi, déjà, ou quand tu vas à Carrefour, de prendre que les trucs qui sont là en bas et en se rassurant, ouais, mais de toute façon, hey, même si ça, c'est... Hey, toutes les viandes, c'est la même chose. J'ai vu un truc, une entreprise... voilà, c'était des pépitos, mais en fait, les pépitos, c'était, même si ce n'était pas des pépitos, c'était le même tuyau.
ça envoyait les pépitos, c'est juste l'emballage qui changeait. On peut toujours... Hey, les gars, je connais. Quand, hey, quand t'as pas de Zéo, tu trouves plein de trucs. Bio, pff, bio, mais n'importe quoi, c'est la même chose. C'est du marketing, c'est la même chose. C'est la même machine. C'est la même machine. Le fruit, c'est la même chose. Et de toute façon, hey, quand il y a les fruits là, il y a les fruits bio et il y a les fruits ici avec les pesticides. Quand ils balancent le pesticide, hey, que le vent, ça va sur le bio. C'est la même chose. Non, tu vois, on veut se rassurer, on trouve des trucs incongrus pour pouvoir essayer de justifier le fait qu'on n'ait pas d'argent et que du coup, on est obligé de manger n'importe quoi. Donc du coup, non, quand tu n'as pas d'argent, les gars, ça ne le fait pas. Hein. L'argent fait le bonheur, les gars, c'est tout. Hein. Parce que ça te donne le choix et avec le choix, tu as la liberté. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que la liberté pour pouvoir être heureux. Et surtout, qu'en tant qu'homme, ta confiance, tu vas perdre de la confiance parce que en tant qu'homme, tu es valorisé par rapport à la valeur que tu apportes dans le monde. Si tu n'accomplis rien dans ta vie, frère, si jamais tu habites chez toi, chez tes parents, tu es en surpoids, tu n'as pas de travail, tu es au chômage, etc. Frère, de toute façon, tu le sais. La société te dit direct, voilà. Elle te rappelle direct que toi, non, on s'en fout. On s'en fout. Toi, non. Les meufs, elles te le font comprendre direct. Hein. Il n'y a pas de body positif pour les hommes, hein, je peux te le dire. Ça, il n'y a pas de problème. Même les femmes obèses de body positif, elles ne veulent pas un gars obèse. Cherche l'erreur. Donc, de qui se moque-t-on, hein? De qui se moque-t-on? C'est incroyable. Donc, du coup, comment on fait? Bah, c'est tout simplement, bah, faut que tu te bouges, en fait. Faut que tu apprennes les compétences. De toute façon, si t'es sur ma chaîne, à un moment donné, t'as de quoi faire. De toute façon, si tu regardes ma chaîne, ça veut dire que tu regardes d'autres chaînes. Donc, t'as de quoi faire, tu sais quoi faire. Faut juste que tu choisisses un truc, je sais pas, un pilier d'enrichissement. Tu te focuses, tu taffes. Et oui, ce sera long, mais enfin, à un moment donné, si ça a de la valeur, c'est parce que c'est dur, en fait. Tout ce qui est facile, ça n'a pas de valeur. Tu vois, les gens, par exemple, ils n'ont pas de discipline. On pourrait réunir tout sous le mot discipline, en fait. Les gens n'ont pas de discipline. Si jamais tu es discipliné, tu es frais. C'est tout. Tu réussis dans la vie, tu es in shape. Ça veut dire que tu as le six-pack, c'était un homme. Tu fais de l'oseille parce que tu es discipliné. Enfin, le mot discipline réunit tout. Si jamais tu es en surpoids, c'est que tu manques de discipline alimentaire. C'est toujours la même chose. Si tu n'as pas d'argent, c'est que tu manques de discipline financière. Si jamais, je pourrais aller... Enfin, on peut faire dans tous les exemples pour ça. Il te manque la discipline, c'est pareil pour les femmes. Mais tu vois, quand elles, on peut pas leur dire. Pour faire, faut mieux leur mentir, faut pas dire la vérité. Pour pas blesser les gens, vaut mieux leur mentir. Ben c'est pareil. Si jamais t'es en surpoids, jamais tu te rends compte quand même que oui, je suis beaucoup sur le message. Pourquoi je parle beaucoup du body positif? Parce que j'avais fait un réel et les meufs elles sont vénères parce que je leur ai dit que les gars on cherche des meufs qui sont belles et qui sont bonnes. Comme si c'était un truc nouveau. Enfin, c'est qui les meufs qui ont les followers? Enfin, c'est qui les meufs qui performent au cinéma? Enfin, vous comprenez. Bref. Je pense que c'est pas de la fainéantise intellectuelle, je pense que c'est de la stupidité là, concrètement. Mais une femme qui est obèse, c'est comme un homme qui est obèse, c'est qu'il manque de discipline. Et après, il trouve toujours plein d'excuses. Oui, non, mais n'importe quoi, il y a plusieurs critères qui font... Arrêtez, tu vois. Ça veut dire que là, ils veulent changer les codes en disant « Ouais, mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est parce que les hommes, ils veulent codifier la beauté. » Alors que c'est clairement biologique, hein. Je veux dire, voilà. Quand une femme a une certaine forme, une certaine hanche, etc., un certain ratio, ben ça, c'est des traits de la fertilité. C'est pas moi qui le dis, c'est des faits. Et moi, je parle pas avec ce que je pense, ce que je ressens. Hein. Donc aujourd'hui, en fait, les meufs de body positive, en fait, elles voudraient faire croire au monde que ça déchire. Donc en fait, j'ai envie de leur dire, ben vous avez raison les filles. En fait, vous avez raison. C'est moi, je suis un salaud. Vous avez raison, restez grosse en fait. Restez obèse, c'est bien. Comme ça, tu vas te manger toutes les maladies long terme, diabète, cancer. De toute façon, t'as la totale. Quand tu es obèse, tu as la totale, c'est les facteurs de risque. Il suffit juste de taper une maladie et regarde le facteur de risque, toujours surpoids. Mais c'est moi le problème. Et puis en plus, tu manques de discipline, ce qui est fort. Hein. Regarde bien pourquoi c'est un truc de ouf, comment elles veulent ce mouvement-là veut changer les trucs. Va poser problème. C'est qu'en fait, tu veux faire croire aux gens, c'est normal d'avoir les mêmes résultats qu'une personne qui est disciplinée et qui taffe. Ça veut dire qu'en fait, les femmes du mouvement body positif voudraient être dans la capacité d'avoir le même genre d'homme, par exemple, que les femmes qui, elles, sont disciplinées, d'accord, qui font attention à ce qu'elles mangent, qui vont à la salle de sport, qui se donnent les moyens, etc. D'accord. Eh ben, en fait, elles voudraient avoir les mêmes résultats. Il faudrait que ce soit pareil. Sauf que c'est une catégorie différente, c'est tout, voilà. Mais genre, tout le monde devrait avoir les mêmes résultats. Ben non, c'est pas comme ça la vie. Ben non. Si les choses ont de la valeur, c'est parce que c'est dur. Tu peux pas avoir rien faire aucun effort, mettre aucune discipline dans ta vie et avoir le même résultat que les gens qui le font. Tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est pas comme ça la vie. Bref,
Donc je ferme cette grande parenthèse. Ah, j'ai beaucoup parlé de body positif sur cette vidéo. Donc du coup les gars, focus les gars, c'est pas compliqué. Apprenez une compétence pour pouvoir faire de l'argent. Si jamais tu fais pas d'argent, c'est qu'il te manque une compétence, tu sais pas comment faire de l'argent. Donc apprends comment gérer de l'argent. Avant, apprends comment faire de l'argent, comment le gérer et comment le multiplier. Et choisis un business model, n'importe quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, le temps il va passer. Autant que tu utilises, en 5 ans, tu peux changer ta vie. Autant que tu utilises en créant un business, que ce soit avec moi, Pirate Marketing, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, n'importe quoi, de l'e-commerce, mais fais quelque chose, tu vois. Troisième chose aussi, c'est l'anxiété. L'anxiété, en gros, c'est de t'inquiéter de ce que tu penses qu'il est possible qu'il arrive dans le futur. Je sais pas si tu te rends compte. Et souvent, la peur que tu as par rapport à ce qui va arriver dans le futur n'arrive même pas. On est tous passés par là. T'es en stress, tu dis « Ah, vas-y, j'ose pas trop le faire et tout. » Après, tu le fais quand même, tu fais le truc, je sais pas où tu te lances, je sais pas ce que tu fais. Et puis finalement, le truc dont t'avais peur que ça allait arriver, ça n'arrive même pas. Ça n'arrive pas. Quand tu dépasses même ce stade-là, t'as même oublié que t'avais pensé que genre, il y a un truc qui allait arriver à ce moment-là. Donc en fait, tu t'es stressé. Ça t'a fait perdre de la testostérone parce que ça fait baisser la testostérone, le stress. Pour un truc, quand ça devait arriver, t'as même oublié que t'avais stressé qu'il y a un truc qui allait arriver. Ou sinon, tu penses qu'il y a un truc qui va arriver, c'est même pas ce truc-là qui arrive, c'est autre chose qui arrive. Donc en vérité, juste reste focus sur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire au mieux aujourd'hui pour pouvoir atteindre tes objectifs et en fonction, ben, tu avances comme ça, pas à pas, tu vois, et tu vas gérer les problèmes au moment où ils vont arriver. Donc vraiment, les gars, arrête de penser à tous les problèmes qui pourraient peut-être arriver. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils passent même pas à l'action à cause de ça. Ils sont anxieux par rapport à ça, ils disent « Ah, vas-y, je fais rien. Au moins, si je fais rien, il va rien se passer. » Ah bah oui, t'es sûr. Si tu fais rien, c'est sûr qu'il va rien se passer. Donc du coup, les gars, arrêtez de stresser sur le futur, de « Ah, mais comment je vais faire, etc. » Quand le problème va arriver, on va gérer. Il y a toujours une solution. Mais pas se stresser sur comment. Et si ça se passe comme ça? Et si? Mais on va avoir tel problème? Non. Et quatrième chose, c'est la jalousie, être envieux de quelqu'un. Ça veut dire que la personne, elle possède quelque chose, elle a quelque chose que toi, tu n'as pas. T'es vénère. Non, les gars, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu retournes le truc en mode je, en fait, tu te mets en mode victime, en fait. Et les victimes, ça ne fonctionne pas. Alors, ça marchait quand on était petit avec notre maman. C'est dur. Viens toi, mon petit. Voilà, ça c'était bien. Mais les gars, maintenant vous êtes grands, les gars. Je peux pas. Donc le mode victime ne fonctionne pas. Tout le monde s'en bat les reins quand t'es en mode victime. Alors ça va deux secondes, mais à un moment donné, les gens ils sont fatigués, ils veulent plus avec toi. Une énergie comme ça négative tout le temps, constamment. Oui, c'est dur la vie. Les gens, ça les saoule. Ils ont envie d'être avec quelqu'un qui a une bonne énergie, qui est positif, etc. Tu vois. Et quand tu te mets en mode victime comme ça, en gros, en plus tu juges. Donc quand tu juges les gens, tu envoies de l'énergie aux gars, tu vois, les gars qui sont en mode haters, tu vois, ils sont en mode haters, mais tout ce que tu fais, c'est que tu fais de la pub pour les gens. Tu consacres ton énergie, frère, ton temps, ton énergie, tes pensées à quelqu'un d'autre. Normal. Ah, il m'énerve lui, et de toute façon, il a de la chance, de toute façon, c'est des fils à papa, de toute façon, c'est parce que c'est des enfants de stars, nanani, nanana. Au lieu de te concentrer sur, ok, comment je peux avoir une éthique de travail? En gros, discipline. On revient encore au mot discipline. Discipline devrait être, juste avec ce mot, frère, tu mets tout en PLS. Tu vois? Par exemple, quand j'ai fait, oui, je reparle encore du body positif. Quand j'ai fait la vidéo genre, ouais, les hommes veulent des femmes belles et bonnes, genre, on peut dire, les hommes veulent des femmes disciplinées. Qui ont de la discipline, parce que discipliner, sinon, on est encore fatigué. Qui ont de la discipline. Comme ça, tu vois, comme elles ne sont pas fut-fut, hein, les meufs comme ça, hein, elles auraient dit, ah oui, c'est vrai, c'est bien discipline. Hop! Non, laissez-nous la faire à l'envers, là. Parce que si tu as la discipline, t'inquiète pas que tu es in shape. Bref, en tout cas, concentre-toi sur la discipline. La fameuse phrase « Apprécie le voyage et non la destination », ben là, on est en plein dedans. Donc, concentre-toi sur la discipline. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, au contraire de toi, ah, ça déchire, tu es content pour lui et tu te dis « Ok, comment il a fait ?» Au lieu de t'énerver et dire « Ah, oh, il a de la chance », essaie de voir ce que tu peux pas lui poser des questions. Tu vois un gars dans la rue, tu veux rayer sa voiture. Demande-lui, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment vous avez fait pour pouvoir vous acheter une voiture comme ça? Les gars, il va te répondre. Après, il te répond pas, mais en général, je pense qu'il va quand même te dire 2-3 trucs quand même. C'est rare des gens, de toute façon, qui vont poser des questions, mais de penser, ah ouais, mais lui, c'est de la drogue ça, c'est de la drogue. Tu sais pas. Pose des questions. Tu poses des questions, boum, la personne, elle te répond, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, pose-toi la question, comment je peux faire pour avoir, ou sinon, comment je peux faire pour avoir la même chose qu'il a eu? Ok, donc déjà, tes pensées, elles changent complètement. Ce ne sont plus des pensées négatives, de haine, où tu es là en train de haine.
genre sur un gars comme ça là, tu mets des pensées sur toi, pensées positives, ok? Quand tu as des bonnes pensées, ben forcément, ben c'est mieux. Hein. Si de toute façon, tu crois pas que c'est possible que tu puisses accomplir les choses, quand tu es jaloux, tu es en train de dire quoi à ton cerveau? Ah, moi, je peux pas l'avoir. Parce que si tu n'es pas jaloux de quelqu'un qui a quelque chose que tu sais que tu peux avoir. Donc, quand tu es jaloux, tu es en train de dire à ton cerveau, ouais, de toute façon, nous, on ne pourra jamais l'avoir. De toute façon, lui, il a de la chance, c'est un fils à papa, nanana. Donc, quand tu te poses la question, ok, comment je peux faire pour l'avoir? Et que tu vois, finalement, parce que quand tu te poses des bonnes questions, ton cerveau, c'est un outil super puissant qu'on utilise à l'arrache. Et n'importe comment, alors que si tu l'utilises super bien, tout ce que tu as entre les deux oreilles, là, c'est ce qui pourrait te permettre d'atteindre tout ce que tu veux dans ta vie. Hein, c'est un outil super puissant. Donc, si tu te poses des bonnes questions, tu vas savoir du coup, tu vas avoir les bonnes réponses, tu vas savoir quoi faire, tu vas savoir aller dans quelle direction. Et quand tu vas vraiment voir ce que ça lui a demandé au gars pour pouvoir avoir le truc dont tu es en train de rager, tu es en train de faire le jaloux, tu vas respecter parce que tu vas voir ce que ça demande pour pouvoir avoir ce qu'il a eu et le temps que ça demande aussi. Donc, comme il disait Andrew Tate, il n'y a aucun intérêt à... Parce que les gens veulent un truc facile, en fait. Parce que je crois qu'il y a un gars qui lui a demandé la question, « Ouais, comment je peux faire pour avoir les abdos facilement, rapidement ?» Il a dit, « Mais pose-toi la question plutôt, comment je peux avoir... Quelle est la façon la plus dure et la plus lente pour pouvoir l'avoir ?» Parce que plus les choses sont dures, plus elles ont de la valeur dans ce monde. Plus c'est difficile pour pouvoir obtenir quelque chose, plus il y a de la valeur, tu vois. Et ça reprend l'exemple que je te disais tout à l'heure. Pourquoi les femmes obèses, par exemple, devra avoir les mêmes résultats que les femmes qui se prennent la tête à bien manger, à avoir de la discipline, etc. Pourquoi devra avoir les mêmes résultats, en fait? Et pareil pour les hommes. Tu n'auras pas les mêmes résultats. Alors, entre nous, on peut se parler directement, il n'y a pas de problème. Pourquoi toi, tu es obèse et tu penses que tu vas avoir le même résultat qu'un gars qui a le six-pack? Ben non, ça a de la valeur parce que c'est dur. Et c'est pour ça que tu attires les femmes, elles aiment les gars qui ont le six-pack, parce que c'est dur. C'est pour ça qu'elles aiment les hommes qui font de l'oseille, qui sont ambitieux, parce que c'est dur d'accomplir des choses. Les choses ont de la valeur, pas parce que c'est facile, les choses ont de la valeur parce que c'est dur de les avoir. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Il n'y a aucun souci, c'est ouvert, c'est fait pour ça. À partir du moment où tu manques pas de respect, si tu manques de respect, je bouge ton commentaire si je le vois. Et si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.